我再看看看。Il n'y avait pas que les produits alimentaires qu'on pouvait assembler. Bienvenue au 14e Grand Prix de l'emballage. Les concurrents s'échauffent avant l'épreuve éliminatoire qui se déroulera en 3 manches. Écoute, l'important n'est pas de perdre ou de gagner, mais c'est la façon dont les produits sont emballés. Je te souhaite bonne chance et surtout, amuse-toi. Attention, tenez-vous prêts, allez-y. Concentre pas! Tu as 2 autres manches pour te rattraper! Deuxième manche! Attention, c'est à vous! Vous avez cassé un œuf, par conséquent, vous êtes éliminé. Georges a fait une super manche, comme quoi ça sert de s'entraîner dur. Ce morveux a eu du bol. Mais rassure-toi, ça ne va pas durer. Attention, messieurs, dames, la prochaine manche sera décisive. Représentant les grandes surfaces, celui qui emballe plus vite que son ombre, celui pour qui l'affaire est toujours dans le sac, Rodney. Représentant les petits commerces, le primate des primeurs, le singe qui sait aussi emballer les foules, j'ai nommé Georges. Les concurrents sont prêts? Ouais, prêts à gagner. Je vais donner le top départ. Attention, top. Oh non, du jambon en boîte. La bête noire des professionnels de l'emballage. Réfléchis avant d'agir, Georges. Il réalisa que le jambon et le fromage allaient toujours très bien ensemble. Ouais, j'ai fini le premier, c'est moi le meilleur. Et le gagnant, hein? Georges? Franchement, je ne sais pas comment tu as fait, mais tu m'as beaucoup impressionné. Georges, je te félicite. Dommage qu'il n'y ait plus de place pour ton trophée.